Les commerçants de carreaux sénégalais sont animés par un sentiment de consternation et d'émoi à cause de l'augmentation des tarifs douaniers sur les conteneurs de carreaux. Les tarifs étaient forfaitaires, soit 1 million pour un conteneur de carreaux. À notre grande surprise, le directeur général des douanes, en l'occurrence Moussa Mbaye Ndiaye, nous a servi une note dans laquelle il compte barémiser les conteneurs de carreaux. Si la note s'applique, elle sera lourde de conséquences sur les importateurs de carreaux. Contrairement à son prédécesseur, M. Abdourahmane Diéye, qui avait tenu à honorer ses engagements avec les commerçants pendant la période de résilience du Covid. Au moment où nous vous parlons, nos conteneurs sont bloqués au port depuis un mois. Et si cela persiste, tous nos magasins seront fermés. Nous subissons actuellement un sabotage qui ne dit pas son nom dans le secteur des carreaux. Bien évidemment, cette nouvelle note douanière est pour protéger l'usine chinoise et les industriels indiens au détriment des commerçants sénégalais. Le seul objectif de ces étrangers est de monopoliser le secteur des carreaux sous le regard passif des autorités. Cette mesure est en parfait déphasage avec le nouvel plan économique élaboré par le chef de l'État pour abréger la souffrance des Sénégalais dans le secteur de l'économie. Nous lançons un appel solennel à M. Bassirou Diomaye Faye d'intervenir sur la situation des commerçants de carreaux en particulier et des commerçants en général. Manuel Moussa Thiam, membre du bureau de la CSCS, Association des commerçants de carreaux du Sénégal. Wa suñu wote tay bi ginaaw buñ leen nuyo gëreem leen ci wuy bi nga ñu wuyu moy problème lañ am bari na mais ben lañ ci tan ndax bobu mo gëna metti muy problème douane ñu ko am nak ak le directeur général muy tuddu Mbaye Ndiaye ñun dañu xey xey gis ko mu gënne ay notam ñu daan fay 1 million mu bëgg ko triplé wala mu bëgg ko yok yok bu jaadu ñu ni kat ki nekkul en phase ak avec le nouveau gouvernement bi nga xamanteni le président Diomaye Faye moko jité ak le premier ministre Omar Ousmane Sonko ñu ni ki il faut ñu wax ak mom nak passé wul xamal ko ni ko ñum mom limu bëgg duñ ko man 1 million yiñ doon fay ñun yokku wuñu defuñu dara 1 million mën nañ ko fay continue ko diko fay mais quant à lenen nak limuy def ñun xam nañ ko ñimi protéger xam nañ ko mais ñun ñoñu bañu ñu leen de mais lepp na tagu ci yoon tay for lay protéger ñun bañu nu industrialisation ndax ñun ci lañ jëm te réew buy avancer industrie mo koy avancer ñun lool xam nañ ko d'accord nañ ci mais nak tay for mom muy protéger tay for mo nu dakk importer ñun mom day importer dik fi nan day produire Mbaye Ndiaye ne delo ci xelam avant qu'il soit trop tard ndax kat ben bi sa fi dox muy suba fi ak suba nan delo 1 million ji su fi day nek yalla mo xam te yaakaruñ ko ñaanuñu ko su fi joge du fi du fekkan moko fi baye ndax le DG bim fi remplacer Diéye lu ma sa def rek jël nañ woon wax nuko te lo nga xam su ko fi baye deñ da fay deñ ndax ku dik da koy dindi kon Mbaye Ndiaye delo sil sa xel jaay kat karaw tal nan la loxo il n'est pas encore trop tard 1 million nak duñ ko passer Mbaye Ndiaye non non Mbaye Ndiaye du waxtan sax ñun dañ koy xey gis notam note bobu nak lañ d'accord jëm nañ ko gis mais mënuñu ko gis nañ ñeneen coopération bi nak sikkuñu leen parce que Mbaye Ndiaye moy seen client mom nak mom ci mom la déssé ñun dal wo nañ ko ci ñek ak ci teranga parce que duñu fal ñu bess ba paré di génn ci mbéd mi di ñaxtu di wacc di def leneen mo tax ñu def sitting bi calmement adresser suñuy cadeau ci ñi jité réew mais lolu yaakaruñ ko sax parce que réew mi ñi ko jité mat nañu xam nañ fi ñu jëmele réew kon ñun japp nañ suñu wax ji bu tabé fi mu ci nopi yi mu jëm ñom di leen jëfëndiko li ñu wara jëf étape bob do ko ba gaaw gis ci réew mi ñi ko jité population bé leen fi tek population bi lañuy waxal kon marche wala leneen ñun boole wuñ ko ci suñu mbir ndax ñi ñi waxal di leen dégg di leen def li ñu bëgg ñu def ko kon fofu étape bobu ñun yaakaruñu ñu ag ci mais nak sun Mbaye Ndiaye deugere bop te kenn wuñu wuko lu ñu yoon may rek dinañ ko def parce que li fi nek xexé ko fi indi te ci lu légal lañ koy tek ñun dal bëgguno passer li
liguey bi ñu def ak yeen ñun bëgg ñu ko passer.